Un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, qui m'a tant aimé, paye ma dette ainsi qu'avec il m'a dans son grand amour sauvé du péché et j'ai dans sa sainte lumière. Oh oui, oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oh oui, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, vers les cieux, oh oui, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous sommes 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à ma mère. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen, amen, amen. Éternel mon Dieu, que tu es merveilleux, tu m'as tant aimé, en donnant ton cher fils. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Tu es magnifique mon Seigneur, ton grand amour. La vie éternelle en Jésus-Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu es magnifique, tu es magnifique, mon Seigneur. Ton grand amour m'a donné la vie éternelle. En Jésus-Christ, la vie éternelle, en Jésus-Christ. Que ton nom soit célébré encore ce soir, mon Sauveur. Qu'il soit béni et élevé comme il est, mon Maître béni, mon Roi. Ce que tu fais pour nos pères, tu es merveilleux par tes conseils, mon Roi. Nous marchons à la clarté de ta face. Et encore aujourd'hui, tu nous as accordé le souffle de vie, Père, pour que nous puissions être parmi les vivants. Et c'est la vérité, mon Seigneur Jésus. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent pleinement de tout leur cœur, mon Roi, parce que tu as fait de grandes choses dans leur vie, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le souffle de vie, Père, et ce souffle, c'est pour te servir avec. Que tu sois exalté, mon Sauveur. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore de pouvoir nous retrouver, afin que nous puissions mettre en œuvre, Père Saint-Dieu, ce que tu as fait de nos pères. La louange, c'est aux hommes droits. Tu es vraiment le Dieu vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le consolateur des affligés, Seigneur, le Père des orphelins, mon Roi, les défenseurs de veuves, mon Seigneur. Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. Oh, que ton nom soit exalté. Il est merveilleux, ton nom.
Oh, il est le plus beau, mon béni, Père Saint-Dieu. Sois béni pour ce que tu es, Seigneur. Conduis nos pas encore aujourd'hui, parce que quand toi tu conduis, c'est toujours parfait. Merci réellement pour le pardon. Quand tu pardonnes, nous sommes réellement apaisés. Sois exalté encore aujourd'hui. Merci pour l'échange des cantiques, mon roi. Merci pour le merveille, mon béni, Père Saint-Dieu. Pour les psaumes aussi, mon béni, Père Divissant. Nous ne sommes que des mottes de terre, Seigneur. Et on vous trouve grâce devant ta face, mon roi. Comme l'Écriture le dit, qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, Seigneur. Jésus, mon roi, tu es digne d'être remercié du fin fond de notre cœur pour la grâce que nous avons trouvée à tes yeux, Seigneur, de faire de nous un peuple qui t'appartient, que tu conduis, que tu veilles, Père Saint-Dieu, que tu protèges et pour qui tu pourvois aussi pour tout le besoin. Merci pour ce que tu fais. Merci aussi pour nos frères et sœurs. Louange et honneur à toi pour ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits où ils se trouvent, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as toujours fait. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous le remercions pour ses hauts faits. Nous le remercions du fond de notre cœur parce qu'il prend vraiment soin de chacun de nous et même de ceux qui sont dispersés à différents endroits. Le Seigneur est vraiment le Dieu de bonté. Il se soucie de beaucoup de gens. Hein. Vous savez, il prend soin d'une manière particulière de chacun. Les hommes sur la terre commencent aussi à réaliser que vraiment Dieu est important. Ouais, malgré leur science, malgré ce qu'ils font aujourd'hui, et ils se rendent compte que vraiment, que comme je crois que c'est à l'ONU qu'ils ont eu à pouvoir le dire, que nous vivons dans un air de chaos. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment la période où ils se rendent compte qu'effectivement, que rien ne va. Ils prennent des décisions, ils prennent ceci, la politique avance effectivement, mais la politique, elle est vraiment coincée. Il ne faut pas jouer avec ces dieux, mon frère. Les gens ont pensé qu'ils avaient plus de connaissances, qu'ils avaient plus de ceci, qu'ils sont plus intellectuels. Mais c'est parce qu'ils sont sous la coupe du malin. Et Satan pensait qu'il pouvait faire quelque chose de meilleur, mais il n'y a rien de meilleur en lui. C'est lui qui est meilleur et qui a des choses meilleures en lui, c'est Dieu lui-même. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Rien ne peut faire ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait, rien ne peut être ajouté, ni même retranché. Nous avons une grâce extraordinaire que toute notre vie, je crois que nous devons lui être reconnaissants. C'est vraiment un privilège que parfois nous prenons à la légère de le connaître sur cette terre des hommes et de pouvoir accepter de vivre pour lui et de pouvoir aussi souffrir aussi pour lui. Nous le remercions. Je le remercie de tout mon cœur pour cela et parce que dans ce moment, il y a un cantique, je pense, qui chantait, je pense, c'était un Lingala. Il y a longtemps de cela, qui disait que voiture naio et kotikala. Vous connaissez cela, non? Et ça m'est passé effectivement. C'est-à-dire que tout ce que, je crois que les anciens connaissent ça. On chantait ça à l'ancien temps, effectivement aussi. Oui, c'est revenu. Donc tous tes babouches resteront. Tout ce que tu as te restera. Et même ton corps restera. Alors il disait que le Seigneur Jésus soit glorifié. Notre sœur Elise me regarde et se pose la question, mais c'est quelle langue? Eh oui, c'est ça. On chante dans toutes les langues. Ça veut dire que toutes tes affaires resteront sur la terre. Et comme c'est ça. Vous savez, quand on chante comme ça, et on traduit, hein, ça donne les gens à pouvoir réfléchir. Tout ce don pour lequel tu te barmes, tout ça, il dit même ta maison restera. Même tu sais que tu sais, sous tes vêtements, tout restera. Il n'y a qu'un seul qu'il faut glorifier. Nous avons trouvé grâce à ses yeux, en fait. Et que nous, c'est cette terre ici, même si on nous enlève ce que nous avons, nous savons que là-haut, nous avons un trésor que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé. C'est pour ça que vous ne devez jamais perdre courage. Et surtout, comme nous l'entendons aussi, ce que le Seigneur nous rappelle, c'est pour notre bien. Ne faites jamais des choses, surtout pour lui, par habitude.
ne venez jamais par habitude, ne chantez jamais par habitude. Il nous faut prier pour que réellement que nous soyons dans l'action et que ça ne soit pas quelque chose qui sort parce qu'il faut que ça puisse sortir, mais que ça soit parce que c'est une nécessité. On sent qu'effectivement que c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire effectivement. C'est comme quand tu vas manger parce que bon, c'est nécessaire, tu dois manger parce que si tu manges pas, et c'est un problème avec ta santé. Donc on va pas t'obliger de pouvoir manger, tu sens le besoin, que c'est vraiment nécessaire. Et ça aussi, ça doit être comme ça pour nous aussi. Louer, c'est Dieu et les servir. Que quand nous amenons nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils ne puissent pas trouver, c'est ennuyant, c'est une habitude. On doit leur faire comprendre. Pourquoi est-ce que nous vous amenons dans ces lieux? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de grandir dans ces choses? Parce que l'éducation de ce monde est une éducation qui est désastreuse. Il n'y a rien qu'on donne de bon à nos amis. Je pense l'autre fois que je disais ici que notre sœur Edith, lorsque je parlais ici, effectivement, quand on a parlé de contraception, de ceci et cela, ce n'est pas que la sœur Edith prend la contraception. Hein. Non, c'est-à-dire que il était dans la situation où ce qui a été prêché était vrai parce qu'on a ramené les choses aux enfants. Donc elle vivait. Parce que souvent, les gens comprennent mal. Peuvent dire, ah, notre sœur, elle est allée parler au pasteur parce qu'il parlait, non. Non, c'est parce que dans ce qui était dit, effectivement, la majorité, comment on enseigne nos enfants, vous comprenez comment on a, quand les enfants sont venus à l'école, vous comprenez. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu nous parle dans les choses, effectivement, pour nous prévenir. Que vraiment, le monde dans lequel nous sommes, il faut que nous veillons, mais veillons pour nos enfants. Veillons sur eux, leur donner vraiment une éducation biblique. Amen. C'est là, par ce moyen-là, que nous sauverons le nôtre. Il ne faut pas, et je le répète encore pour ceux qui sont de Dieu, il ne faut pas donner de l'indépendance à vos enfants pour dire que vous êtes indépendants. Ils ne doivent pas être. Nos enfants doivent apprendre effectivement que chez nous, il n'y a pas d'indépendance. Chez nous, il y a l'obligation de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Et le Seigneur nous a dit, honore ton père et ta mère. Je ne suis pas indépendant, je dois. Je suis censé pouvoir parce que à cela, il y a une promesse avec une bénédiction. Donc c'est cet amour que nous avons effectivement que nous devons arriver. Nous rendons à César ce qui est à César dans les conditions là, César. Nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on ne doit pas mélanger et trouver un prétexte parce que César l'a dit. Non, c'est Dieu qui a dit. Nous respectons César, mais Dieu est celui que nous adorons. Donc effectivement que nous privilégions. Alors la Bible nous fait savoir que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il faut pour que cette folie puisse s'éloigner? C'est pas des conversations. Non, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris par le Seigneur. C'est pas la conversation, mais c'est un fouet. Je pense que c'est cette manière dont le Seigneur nous apprend, nous, à éduquer. Le nôtre, en fait. Parce que lui-même aussi, il utilise aussi les châtiments pour pouvoir... Il dit, je châtie tous ceux que je reconnais comme miens. Et nous également. Parce que, avec le mode actuel, effectivement aussi, hein, on vous pousse à être des papas bonbons, des mamans bonbonnes. Et ça, ce n'est pas la chose que Dieu attend de son fils et de sa fille. Il faut que nous puissions avoir des sentiments tout à fait fermes à l'endroit de nos enfants. Si nous les aimons, on doit être ferme, effectivement, parce que ces enfants ne connaissent pas grand-chose. Vous connaissez déjà. Et ils ont besoin que la voie aussi soit tracée, en réalité. Alors, il nous faut cela. Un enfant ne peut pas se mettre devant son père et sa mère et discuter avec. L'éducation que nous avons reçue de la parole de Dieu, et je crois aussi que nos parents anciens, ils n'ont jamais permis qu'à son enfant se met debout pour argumenter, et maman parle, l'enfant parle, et même papa parle, l'enfant parle. Jamais. Maman parle, l'enfant. Il écoute ce que maman dit. Il écoute ce que papa dit. On ne discute pas avec papa. On ne discute pas avec maman. C'est-à-dire que quand on vous dit des choses qui sont correctes, on vous reprend.
Le monde est tellement sens dessus et sens dessin. Ça, c'est le monde de Satan. Et il veut détruire les dons que Dieu nous a donnés, nos enfants, notre postérité. Alors, nous, on doit veiller. Si vous voulez détruire les vôtres, c'est votre responsabilité. Mais en rapport avec les choses qui sont de Dieu, nous, nous devons veiller à ce que le nôtre soit protégé. Parce que nous aurons l'occasion, si Dieu le permet, de toujours rester dans l'écriture que nous avons lue les dimanches, pour que vous puissiez vraiment être conscient et voir ce qui va se passer. Pas ce qui pourrait se passer, mais ce qui va réellement se passer. Et toutes ces calamités, ça commence déjà à se préparer, en fait. Parce qu'il faut que nous puissions réaliser la grâce, le privilège que Dieu nous accorde, effectivement, de ce que nous puissions être protégés. Mais si toi, tu sors, effectivement, de cela, jamais tu échapperas, même si tu commences à pouvoir... Regardez, par exemple, juste pour qu'on voit que nous lisons l'Écriture, c'est parce que nous ne resterons pas non plus. Et regardez, par exemple, frères et sœurs, dans les Saintes Écritures. Quand nous voyons comment, dans les livres, même des Thessaloniciens nous parlent effectivement, parce que vous êtes instruits dans cela aussi, il dit, il faut que celui qui le retient. Donc, vous vous souvenez encore, les critères. Donc, c'est-à-dire qu'il est retenu encore par celui qui est encore là. Donc, ce qui le retient, que ne puisse pas arriver à pouvoir vraiment faire n'importe quoi, mais c'est parce que quelque chose est là. Et cette chose-là, c'est quoi, en fait? Mais c'est la présence de Dieu dans son peuple. La parole de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être au milieu de nous sans sa parole. Il ne peut pas se trouver comme ça. Non. Dieu est là où se trouve sa parole. C'est pour ça que nous avons besoin, parce que quand on nous a toujours dit, effectivement, enseigné que Dieu est sa parole, donc la parole est Dieu, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut ni retrancher, ni ajouter. Donc, pour que ces dieux-là soient vraiment avec moi, qu'ils puissent me garder, parce que Dieu n'a pas besoin de mon corps. Non, ça, il faut que nous puissions être conscients. D'ailleurs, de toute façon, lui, il l'a même dit lui-même, hein, que tu as été tiré de la poussière, et qu'est-ce qu'il va faire avec la poussière? Tu retourneras dans la poussière. Donc, il ne veille pas sur ton corps à toi, sur toi-même, il veille sur ce qu'il y a dedans. C'est ça que nous devons comprendre, effectivement. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Voilà. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous connaissez cela, effectivement. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est cela que Dieu, en fait, veille. Et ce qui fait que Dieu est là, parce que, aussi longtemps qu'il n'a pas terminé son travail, effectivement, en rapport avec le vase qu'il a eu à pouvoir déverser quelque chose, maintenant, vous devez comprendre pourquoi vous dites, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Mais bien évidemment, parce que si la chose de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est en toi, Dieu doit veiller. Pourquoi il doit veiller? Parce que nous avons appris, vous et moi, que Dieu l'a dit, que la parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre pas en moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été envoyé. Elle n'est pas en toi pour rien du tout. Il a un dessein qu'il doit accomplir. Amen. Donc aussi longtemps que tu n'as pas accompli les desseins de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Parce qu'il faut que ce qu'il a prononcé, qui est en toi, puisse réellement s'accomplir. Vous voyez pourquoi, effectivement, que nous avons besoin d'entendre, de recevoir que la pure parole de Dieu. Et c'est pour notre intérêt. C'est-à-dire que si cette parole que nous recevons, elle est mélangée, Dieu ne s'occupe pas de nous. Parce qu'il n'y a rien qui le représente là-dedans. Mais quand nous soupirons, c'est pour ça que la Bible fait savoir que le peuple de Dieu, ce n'est pas un manque d'amour, frère. Il ne faut pas confondre, parce que le diable, il est vraiment malin pour mettre dans les pensées, effectivement, non, il faut tout accepter. Non, c'est pas un manque d'amour. C'est-à-dire, le peuple de Dieu doit être exigeant. Amen. Quand ce n'est pas de Dieu, je t'aime, il n'y a pas de problème. Mais il s'agit de mon âme à moi. Amen. Il s'agit de mon salut. On s'entend bien avec toi, mais à ce point-là, non. Parce que moi, je ne vais pas passer ma vie en enfer, être dans les temps, dans le feu, non.
J'ai besoin de pouvoir être dans cette joie, finalement, voir le Seigneur parce que la possibilité m'est accordée. Il faut jamais, frères et sœurs, aussi longtemps que vous avez le souffle de vie, vous avez encore la grâce de pouvoir réformer les voies et voir la face du Seigneur. Oui, parce qu'il a dit lui-même, au temps de la grâce. Donc c'est temps ici, mon frère et ma soeur, où chaque être humain, parce que c'est Dieu qui connaît qui, il a l'occasion, même s'il a été aussi mauvais, comment, d'être ramené, être un saint. Il a la possibilité. Pour quelle raison? Parce qu'il y a le sang, mon frère. Ce sang a été versé, effectivement, aussi. Pour... C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, mais voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mon frère. C'est-à-dire que tout homme sous cette terre, parce que si quelqu'un meurt dans son péché, c'est lui-même qui est responsable. Si quelqu'un meurt méchant et tout ça, qui veut la méchanceté, mais c'est lui-même qui veut être méchant. Parce que Dieu a permis effectivement que chaque homme effectivement puisse avoir cette possibilité, donc la grâce, de pouvoir ne plus être dans la nature de la qualité. C'est pour ça que vous verrez effectivement que quand on s'approche des gens, et c'est important, on s'approche des gens pour leur parler effectivement, alors il y a de ceux-là qui sont, on leur dit, mais frère, monsieur, mais vous êtes même presque à mourir, mais regardez la grâce que Dieu, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte absolument rien. Il y a quelqu'un qui est vraiment mort. Et il est mort, frère et sœur, pour chaque personne que tu vois sur cette terre. Même celui qui est le plus mauvais, même pour Hitler aussi. Donc il est mort pour... C'est vrai, c'est la vérité. Bon, pour tous les hommes, les mauvais que vous connaissez là, le Seigneur est mort aussi pour eux. C'est pour ça qu'il est vraiment l'Éternel, notre justice. Il ne peut pas être injuste. Non. Il a mis tous les hommes sous le même pied d'égalité. De manière à ce que l'homme puisse avoir cette choix de pouvoir arriver vers son choix et de pouvoir maintenant, parce que la capacité, la liberté a été donnée, en fait. Parce qu'il a payé les prix. Il a eu à pouvoir vaincre, effectivement, aussi pour que, et diable, maintenant, il sait maintenant qui est celui qui a dominé sur lui. Maintenant, si l'homme, c'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce et que la parole donc, soit donc prêchée. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, que nous voulons donc lire ensemble avec vous, hein, et Romains, au chapitre 12, nous lisons donc le verset 9. Romains 12, verset 9, il nous dit que la charité soit donc sans hypocrisie. Que la charité soit donc sans hypocrisie. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Merci vraiment pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta maison. D'apprendre, Père Dieu, tu veux que nous soyons un peuple qui t'appartient, mais vraiment un peuple vrai. Pardonne-nous, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui peut nous purifier, nous sanctifier encore davantage, pour que vraiment nous soyons à ton image. Aide-nous encore, mon roi, de demander cette grâce au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, c'est que Dieu est en train de pouvoir faire pour nous en tant que peuple de Dieu qui l'avons reçu. Parce que ceux-là qui ne se sont pas intéressés à lui, puisque salut et la grâce a été donc donnée, puisque la Bible nous fait savoir que la grâce et la vérité sont donc venu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, la grâce vient, et puis bon, la vérité aussi est venue aussi. C'est-à-dire que pour tout homme qui le veut vraiment et qui accepte la grâce de Dieu comme grâce, ben, il aura donc la possibilité de pouvoir connaître aussi la vérité, parce que le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples.
et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Chacun de nous, effectivement, aussi, nous avons eu cette porte ouverte que le Seigneur a eu à pouvoir donner, les faits que nous avons eu à pouvoir le connaître, le recevoir de tout notre cœur. Alors, il a ouvert, effectivement, cette voie pour que nous puissions avoir accès à la vérité, pour qu'il n'y ait plus l'ombre de doute dans notre pensée, dans notre mémoire, de subconscient, ou même que quand on vient pour nous tromper, nous avons déjà la vérité. Donc nous connaissons déjà effectivement la vérité. Mais c'est une grâce extraordinaire et de ce que le Seigneur nous donne effectivement aussi cette ouverture de pouvoir vraiment connaître la vérité. Parce que quand on n'a pas la connaissance de la vérité, on est sujet à tout esprit et flottant, à tout vent de doctrine, effectivement. Alors à ce moment-là, on est la proie à tout ce qu'on appelle des mauvais esprits, des esprits méchants, des esprits trompeurs, et on avale de tout, en fait, effectivement. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions. C'est pour ça que vous remarquerez, effectivement, que dans les Saintes Écritures, il nous dit qu'il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant donc la démagaison donc d'entendre des choses agréables, et qu'ils vont se donner une foule de docteurs, hein, vous donner une foule de docteurs. Parce se tourneront vers les fables, donc c'est-à-dire que non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Parce que si on a l'oreille tournée vers la vérité, on ne peut pas se tourner vers les fables. Parce que dans chaque, effectivement, vous avez une fausse doctrine, effectivement, aussi, tout ce qui est faux, conteur, saintes écritures, il y a toujours des esprits séducteurs. Les démons sont derrière cela. C'est pourquoi quand vous acceptez quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, donc les mensonges, il y a un démon en fait. Ce qu'on appelle des esprits séducteurs. Ils sont tellement rusés effectivement aussi qu'ils peuvent vous séduire. C'est comme ça qu'ils sont. Ils séduisent effectivement cela. Donc, nous réalisons qu'effectivement que le Seigneur veut que nous puissions connaître donc la vérité, comme il a dit. Et la vérité donc, nous affranchira. Donc, il ne pourra jamais nous laisser dans l'esclavage. Donc, nous devons avoir nos oreilles ouvertes, effectivement. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous acceptons, en fait, nous allons dans la mauvaise direction, effectivement. Et nous avons, effectivement, aussi des faux, en fait, des fables que nous suivons. C'est parce que nous-mêmes, nous le voulons. C'est votre intérieur, à vous. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez vraiment être droit et la vérité, effectivement, vous savez que la vérité existe. Parce que déjà, pour pouvoir accepter les fables, il faut tourner l'oreille de la vérité. C'est-à-dire que c'est quand même quelque part, on est conscient. Dieu est vrai, hein? On est conscient parce que, bon, ça ne m'arrange pas parce que tout ce que Dieu dit, effectivement, ça ne peut pas arranger l'homme. Si toi, tu trouves des choses qui t'arrangent, c'est que tu t'es trompé de voie. La parole de Dieu ne peut pas arranger l'homme. Non. Et ça ne peut pas plaire à un homme. Un homme, une femme charnelle, il va toujours trouver des problèmes. Parce que la parole n'est pas faite pour les hommes charnels et les femmes charnelles. Puis vous n'allez pas aimer, de toute façon. Vous allez toujours avoir des contradictions, de ceci, de cela, parce que vous êtes charnel et la parole est spirituelle. Alors, pour aimer que la parole de Dieu te convienne, alors là, il faut naître de nouveau. Oui. Frère et soeur, quand tu es né de nouveau, tu ne trouveras jamais rien à redire. Et la parole de Dieu ne pourra jamais t'ennuyer. Elle est dure, peu importe sa dureté, effectivement, mais toi, tu plieras la parole. Amen. Parce que tu es né par la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous sommes encore beaucoup plus charnels. Voilà pourquoi nous avons des combats. Voilà pourquoi nous sommes des hypocrites. Parce qu'on est double, en fait. Une partie Dieu, une partie le monde. Toi-même. C'est la raison pour laquelle c'est l'esprit de Laodicée, et encore pire encore. Soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Les deux ensemble, vous tuez vous-même, ma soeur.
Vous êtes là en train de me regarder, effectivement, mais vous savez, quand vous serrez dans les temps ardents de feu, vous y serrez si vous ne prêtez pas attention. Ça vous plaît de pouvoir vous asseoir là, et puis c'est là-bas. Moi, quand on prêche la parole, c'est toujours toi, effectivement. Tu ne te rends pas compte. Ce que vous entendez ici, vous l'entendrez de l'autre côté. Je vous l'ai toujours dit. Hein. Vous savez, à moins qu'on soit peut-être un fou ou quelqu'un qui n'a vraiment peut-être pas les sens, qu'on te lise effectivement ce qui va se passer, que tu continues à pouvoir... Et tout en cherchant, tu vas te satisfaire encore toujours dans les choses. Ta préoccupation, c'est quoi? C'est toujours le bien-être matériel. C'est toujours le bien-être financier. Mais ça, mais je ne sais pas, mais j'ai dit, Seigneur, il nous grâce aussi étonnant de pouvoir être un fils de Dieu, une fille de Dieu. Toi, tu le monnaies avec tes problèmes inutiles, des factures, des problèmes avec ceci, et de l'argent. Et c'est une vie qui est pour le papier, argent. Ah, j'ai dit, Seigneur, aie pitié, mais ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu vous ouvre le livre clairement et il vous montre effectivement comment on doit être. Vous souriez, c'est toujours pareil. Jamais la faute de Dieu. Bon, alors dis bon. Alors que la charité soit sans hypocrisie. Oh, ah. Vous connaissez la charité, non? C'est-à-dire que quand on a la charité, alors là, mon frère et ma soeur, on ne peut pas l'annexer l'hypocrisie. Parce que vous savez d'abord ce que c'est que la charité. Hein? Dieu te bénisse. Si vous voulez, vous le lire. Ok. Nous prenons... 1 Corinthiens au chapitre 13. On voit bien cela. Il nous dit, je relis, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un harangue qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est clair, hein? Et quand j'aurai même le don de prophétie, la connaissance, effectivement, donc, c'est ça, non? Hein? Mais les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères, donc, hein? Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. C'est quand même extraordinaire, frère. C'est la Bible, la vérité, tout ce qu'il nous dit, c'est quand même fort. Il dit, je peux donner le bien aux gens, je peux faire du bien aux gens. Que Dieu ait pitié de nous. Je peux même livrer mon corps pour les autres. Quand quelqu'un fait ça, il dit, ah, c'est quelqu'un qui est bien, il va aller voir Dieu, il sera au ciel. Dieu dit, ah, si je n'ai pas donc la charité, je ne suis rien. Et puis cela dit, et tout cela ne sert absolument de rien. Alors dit maintenant, verset 4. La charité, comment est-elle? Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. C'est-à-dire que quand toi, tu es quelque part, on dit, cette sœur, elle est bonne. Ce frère, il est bon. Pourquoi tu es bon? C'est quand même, on te fait n'importe quoi. Même si ça te blesse au détour de toi, ce qui sort de toi. J'ai toujours donné cet exemple ici, je pense à des bien-aimés au consulat, que je vais pouvoir le voir, effectivement, parler avec eux. C'est parfois parce qu'on a une situation difficile. J'ai dit, vous savez, la rose, il est quand même particulière, cette fleur. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui déteste la rose. C'est ce qu'il disait, rien que par sa forme. Quand tu en fais un bouquet, tu regardes, tu vois déjà, tu apprécies déjà la rose, comment elle est. Elle te réjouit déjà les yeux. Alors, elle est meilleure
lorsqu'on fait quelque chose sur elle, c'est-à-dire que quand on la prend, on l'écrase vraiment. Alors là, vous savez, vous la pressez, vous l'écrasez. Quand vous la pressez, vous l'écrasez. Vous savez ce qu'elle vous donne, non? Son parfum. Ça ne donne pas une répulsion quand tu presses la rose. C'est encore quelque chose qui te donne encore. C'est tellement si bon. C'est ça en fait la nature de la rose. C'est comme cela qu'il doit être un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Ce que vous entendez, frère et sœur, ce n'est pas utopique ou historique ou quelque chose d'illusion. C'est comme cela. Vous voulez la preuve? On a tellement pressé le Seigneur. On l'a tellement flagellé. On a craché sur lui. On l'a crucifié. À la fin, il dit, pardonne-le. Mon frère et ma soeur, ça existe! Amen. Vous direz, c'est le Seigneur, mais quand on a lapidé Étienne, vous voulez la vengeance, Seigneur, venge-moi. Seigneur, si, je n'ai rien fait, il était innocent. Mais c'était le parfum qui sortait. Seigneur, pardonne-le. Elle n'a plus de part, cela. Vous voulez être des fils de Dieu de quelle nature? Verbal. C'est ça, mon frère. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. Pour témoigner que nous ne sommes pas comme les autres. Les autres ont fait le mal, ils rendent le mal. Ça, c'est la nature d'un fils du malin. Mais un fils de Dieu. Dieu veut montrer la différence. Et voici ce que je suis. Voici la nature de mes enfants. Ah, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dieu veut nous mettre à part pour que les calamités qui viennent ne tombent pas sur nous. Voilà pourquoi il nous apprend par la parole de Dieu. Il nous enseigne, il nous instruit. Ça dépend maintenant ce que toi tu prends pour l'enseignement que Dieu te donne. Comment, où est-ce que tu mets la parole de Dieu que Dieu te donne? Alors, il dit, je continue un peu vite là. Donc la charité, elle est donc, nous y étions donc là, Elle est donc patience, elle est pleine de bonté. Vous entendez bien, non? Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ah, vous comprenez, ça veut dire. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous voyez, en fait, quand on parle de cela, tout ce qu'on appelle les caractéristiques charnelles de la nature de l'être humain, elle ne se trouve pas dans la charité. Tout, c'est-à-dire que là, ce que vous avez dit, c'est que l'homme est, en fait. C'est que l'homme produit. En fait. Ouais. Ça ne se trouve pas dans la charité. Dit, elle n'est point, comme dit effectivement, il dit, et puis, verset 5 dit, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Si on s'examine sincèrement, on n'a même pas posé la question. La charité, je ne pas son intérêt. Et puis il nous dit ici, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point les mal. J'aime beaucoup cette personne. Oui, j'aime beaucoup la donner. Vous savez, frères et sœurs, le diable, il est vraiment mauvais cerveau. Il faut, c'est pas comment vous expliquer, mais vous comprenez. Il a ces démons-là, cet esprit-là mauvais, il est toujours là pour pouvoir pousser chaque être humain à soupçonner. Le soupçon de mal est comme une nature ancrée dans l'homme. Et ça, c'est les moyens par lesquels, oui, ces démons s'accrochent à l'être humain. C'est comme ça que la colère vient contre quelqu'un alors qu'il ne t'a rien fait.
Parce qu'il a fait comme ça, donc, quand on t'y voit, il a fait. Ça, c'est la tactique des démons, en fait. Il t'injecte des pensées, il te dit oui. Parce que tu vois, quand tu dis, tu commences à. Les faits, il faut faire très attention quand vous commencez à. Vous parlez vous-même, entre vous-même. Oui. En fait, tu dis, quand quelqu'un comme ça, mais c'est avec des démons. C'est ça, tu es assis, oh mais parce que il m'a regardé, il a fait l'œil comme ça, ça veut dire comme ça, ah, ce qu'il m'aime pas. Tout ça, tu es en toi, mais c'est en fait les démons qui te parlent. On nous a jamais demandé de raisonner ou de converser avec des démons. C'est toujours de chasser les démons. N'oubliez jamais ça. On doit chasser les démons. Donc chasser les mauvaises pensées. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, mon frère. C'est ça qui nous détruit, en fait. Tu dis bonjour à quelqu'un, mais tu penses du mal. Oui, il me dit bonjour, mais il a ce jour-là, il a fait. Non, mon frère! Toi, que tes pensées soient pures, on reste frère! Que ce qui est vrai, ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. C'est ça que Dieu attend de moi. C'est par ce moyen que vous pouvez combattre Satan et chasser chaque démon. Parce qu'il viendra toujours pour te flatter d'abord. Tu dis, toi, tu es, tu vois, toi, comment tu es. Tu as toujours été bon, mais elle toujours pense mal de toi. Oh, mais c'est, mais frère, bon, il ne faut pas perdre son temps à pouvoir chercher à penser du mal de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai besoin de l'éternité. Amen. Amen. Tu fais son travail de pouvoir penser du mal de toi. Toi, fais ton travail de penser du bien. Rien ne fasse obstacle sur ton chemin. Tu souffres déjà longtemps beaucoup pour pouvoir le voir. Continue à souffrir. À faire le bien, en fait. Parce que c'est cela. Parce que, comme notre précieux frère l'a dit, mes yeux énoncés de notre. Oui, il a prié. Job l'a dit. Cet homme y était convaincu d'y né. Il dit, quand bien même mon corps serait détruit, mais je vivrai. Parce que mes yeux ici, et non ceux de notre, les verront. Que Dieu, vous êtes, nous continuons vite à peine. Il dit, alors écoutez bien, il dit, verset 2 de Christ, sur le point de faire le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit donc de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Et donc la charité se réjouit de ce que la parole de Dieu est proclamée dans tout ça. Plénitude, en fait. Même si ça me fait du mal et que Dieu me reprenne, je dis Seigneur, gloire à toi. Il dit personne ne m'a vu, mais toi tu m'as vu. Quel autre aurais-je au ciel? Que toi, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en. C'est ça la réaction. Vous savez, c'est. Et Dieu nous aide vraiment à pouvoir. Vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, de ce qui vous attend de l'autre côté pour les sacrifices, pour les souffrances. Non, prenons, s'il vous plaît. Parce que vous ne réalisez pas. Mais je veux quand même que vous écoutez d'abord. Pour tout ce que vous faites pour Dieu, pour combattre, vous ne lisez pas bien les Saintes Écritures. Regardez bien quand il a regardé effectivement les frères et sœurs qui avaient fait, il dit, je connais ta patience. Et tout ce que tu as souffert à cause de mon nom. Il ne se rendait pas compte que le Seigneur voyait. Vous vous souvenez, non? Bien sûr. Tout ce que toi, frère et sœur, tu fais de tout ton cœur là, pour que la gloire revienne au Seigneur et accepter que la parole de Dieu puisse être vraiment avoir la place en toi. Tout ce que tu endures là, penses-tu vraiment que Dieu est aveugle? Mais Dieu voit. Et quand tu es à genoux, tu as des larmes, que tu pleures effectivement à cause de ce que tu vis, que tu veux que la parole de Dieu prenne vraiment la place dans la vie de tout un chacun, c'est un penser que Dieu ne le voit pas. Mais c'est parce que vous ne croyez pas. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas croyant. Mais c'est triste pour vous parce que tant ainsi ici, vous entendez la parole, qui est la parole de jugement pour vous, et vous irez en enfer bêtement.
C'est ça que je ne comprends pas, frères et sœurs. Et quand même des êtres humains sensés, quand même. Donc, elle croit donc la vérité, donc elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, hein, pardonne tout. Hein. Elle croit toute la parole de Dieu. Elle espère tout. Elle le supporte. Et la charité ne périt. Voilà. Donc, effectivement, nous voyons ce qu'elle est, cette charité. Et quand nous prenons dans les deux pierres aussi, pour nous revenons dans Romains, que nous avons lu, hein, dans deux pierres aussi, il nous est dit, n'oubliez pas que chaque parole de Dieu que vous entendez, vous recevez, elle soit une bénédiction quand vous la croyez, que vous la gardez, ou soit un jugement pour vous. Parce que Dieu a dit que toute bouche sera fermée. Vous vous souvenez de Daniel Curie? Le tableau était là. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai, nos jeunes filles, nos jeunes frères, nos jeunes enfants. C'est la vérité, cela. Vous serez confrontés à cela. Oui, jouez comme vous voulez avec mon corps, avec mon ceci. Et je vous le dis encore, d'ici du haut de la chaise, je vous le dis, vous allez payer. Et vous le regretterez avec ce dans quoi vous mettez votre confiance. D'ailleurs, ça va se décomposer. Mais vous payerez pour cela. Vous allez regretter parce que vous direz, mais pourquoi est-ce que j'ai mis ma confiance dans cela alors que Dieu m'avait mis clairement que tu étais tiré de la poussière. Alors, dans des pierres, il te dit ceci, hein, nous disons cela, puis nous retournons là-bas, puis nous nous arrêtons. Waouh, ça, deux pierres. Non, c'est un pierre au chapitre. Oui, c'est deux pierres, oui, pardon, mais c'est deux pierres. Deux pierres au chapitre. Oh, il nous dit cela. Oh. Je lis au verset 3, de Pierre 1, chapitre 1, verset 3, il dit, « Comme sa divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent certainement de sa part la plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. Vous suivez? À l'amour fraternel quoi? Voilà où la charité se place. Elle est au-dessus de l'amour. Mais c'est écrit, hein? Alors, que nous ne puissions pas faire la confusion. En fait. Ah, j'aime mon frère, c'est suffisant. En fait, ça dépend de quel amour vous avez à l'endroit de votre frère et de votre sœur. Parce que si nous sommes des gens qui se voyons tout le temps, il y a quand même un amour. Oui, oui, bien sûr, qui s'installe dans notre cœur et on confond toujours, en fait. C'est ça le problème. Vous voyez là où on a placé. Se trouve l'amour fraternel et la charité. C'est pour que tu puisses comprendre. Qui ne confond pas les choses, en fait, en te disant, puisque j'aime les frères, etc. Non, mais il y a quand même une différence dans aimer, aimer. Avez-vous remarqué une chose, frère et soeur, pour que cela soit aussi clair hein, dans notre pensée aussi, notre esprit, regardez très bien. Hein. En fait, vous voyez bien clairement, hein, c'est toujours dans Pierre, hein, que nous aimons bien, que j'aime beaucoup lire. Hein, 1 Pierre, vous tournez la page, chapitre 1, des versets 22, lisez cela, pour que nous puissions bien comprendre les choses, hein. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous entendez cela? Donc, pour que nous obéissions, que nous aimons la vérité, c'est quelque chose dans nous. Hein. Écoutez bien, il dit, pour avoir un amour fraternel, vous avez entendu bien? Sincère. Maintenant, écoutez bien.
aimez-vous ardemment les uns les autres de quoi? Ok. On a ajouté bien ardent, puis on a ajouté bien de tout votre cœur. Maintenant, regardez très bien, il nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de qui? Voilà. Le véritable amour, en fait, est produit par la parole de Dieu dans la personne. Et si toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu murmures au sujet de la parole de Dieu, même si tu dis que j'aime les frères, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de la connaissance des habitudes avec la personne. C'est ça que vous ne devez pas confondre. C'est pour ça que cet amour te crée des problèmes. Quand il est gentil, tu l'aimes. Quand il n'est pas gentil, tu le détestes. C'est ça le grand problème. Voilà. Nous avons beaucoup besoin des choses à apprendre. Et apprendre du Seigneur pour que nos actes soient vraiment des actes parfaits. C'est pour ça que... 53. Dans Psaume, ça dit, mais puisse mes actions. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est pour ça qu'il ne faut pas des habitudes. Mais chaque fois qu'on vient, Seigneur, enseigne-moi. Puisse mes actions être bien réglées. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après? Et puis il dit, je sais ta parole dans mon cœur, en fait de ne point pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous avons vraiment besoin de toi, mon Sauveur béni. Enseigne-nous, Père, et nous serons donc enseignés. Instruis-nous, mon Sauveur, nous serons donc instruits. Nous sommes à toi, nous sommes des vases qui sont à toi, Seigneur. Oh, fais de nous des vases d'honneur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Purifie-nous avec l'hysope, nous serons purs, mon roi. Renouvelle en nous, Père Tubissant, les sentiments véritablement vrais, mon bien-aimé Père. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons vraiment soif de toi, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu. Aide-nous encore en ces jours, mon bien-aimé. Nous avons vraiment, Père Tubissant, ce désir d'être comme toi, tu veux que nous soyons. Père, je t'en supplie, mon roi, que tu nous pardonnes, mon roi. Le monde, Père Tubissant, Dieu, Seigneur, est fini, mon bien-aimé, Père Tubissant, Dieu. Seigneur, tu as dit que vous n'êtes pas de ce monde, mon roi. Tu as prié pour nous, tu as dit, ils ne sont pas du monde, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, mon roi. Aide-nous, Père Dieu, que tout ce qui est du monde soit vraiment ôté dans chacun de nos pères. Que tout ce qui est du monde, mon roi, nous ne voulons pas être doubles. Nous ne voulons pas être hypocrites, mon roi. Nous ne voulons pas faire du mission, rendre le mal pour le mal. Nous voulons vraiment être un peuple mis à part. Seigneur, qui te serve, et ma Père Saint-Dieu, ce peuple est à toi. Nous acceptons, Père du mission, Dieu, Père Dieu, d'abandonner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, bénévole Père Saint-Dieu, afin de pouvoir te servir, parce que nous voulons te voir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, comme les cantiques le dit, j'ai désiré le voir. Je désire le voir face à face et contempler sa face, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu vraiment nous aider, mon roi, parce que le temps est fini, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le temps est fini, mon roi. Le monde n'a pas d'issue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils ont atteint le sommet, Père Saint-Dieu. Ils ne savent plus quoi faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, nous crions à toi. Viens nous chercher, bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous, notre Dieu, parce que le temps tire à sa fin, mon roi. Aide-nous à être préparés par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu veux que nous soyons irrépréciables. Irrépréciables par ton Dieu, sans ta chérie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Vivant pour toi, bien-aimé Père Dieu. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi, mon roi, que tu le réveilles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Qu'ils prennent conscience, bien-aimé Père Tubissant, que le temps n'est plus. Voir courir aux choses, Père Tubissant, de ces mondes qui ne servent à rien. Mais vraiment courir entre tes mains, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous préparer pour notre départ, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi. Souviens-toi de ton peuple, mon roi. Ta parole, Père Simon, nous l'avons entendue. Nous voulons qu'elle prenne place encore dedans de nos pères, oh Dieu. Aide nos enfants, nos petits-enfants, Père Simon.
parents, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, bénirai pas tes fils, oh Dieu, tous ceux que tu nous as donnés, nos frères et sœurs, oh Dieu, qui sont en connexion et partout où ta parole à toi, Père Dieu, oh Dieu, sera portée, bénémoine, Père Dieu, que ce peuple soit ramené vraiment à la foi biblique, mon bénémoine, Père Dieu, oh Dieu, Seigneur, se préparant pour notre retour, aide-nous, Père, garde-nous encore, mon roi, nous te remercions pour ce que tu as fait, bénis ton peuple, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amis, amis, prenez courage. Votre Rédempteur vit. C'est au moment le plus sombre. Et Dieu te bénisse. Jésus vient à nous. Prenez courage et notez les dents.
Jésus vit toujours.